Donc elle est toujours de la couleur, sauf qu'elle a été repeinte. Voilà, elle a été repeinte. On voit bien. Donc ça va, c'est honnête. Parce qu'elle est tellement pailletée. Parce que normalement, le noir, elle est comme ça, regarde. Tu vois les montants de porte? Tu vois bien. C'est horrible. Mais elle est 39, hein. Donc tu vois toutes les rayures là, ça va partir. Là, on sera bien. Voilà, merci. Attends, je vais baisser le son d'ailleurs. Attends, je vais baisser le son parce que. Voilà. Même les jantes, ça fait un petit moment, je n'ai pas vu bien. Ben oui, ben, mon produit à jantes, tout. Ah. Waouh, et t'as vu ça toi? Donc regarde les optiques, ils seront tout neufs. C'est quand même une Golf 7, donc ça va être bien de la retrouver neuve. Donc le changement de peinture, c'est là. Donc là, au moins, tu vois tout avec la lampe. En fait, il est là. Donc tout le côté là, alors l'aile, elle était repeinte. Ouais. Tu le vois, tu vois. Ah ouais. Hein, tu vois bien la différence. Ouais, ça fait plein de. Hein, c'est pas le même bleu. Mais c'est même le pare-choc. Bon, après, n'oublions pas qu'on est avec la lumière là. On voit tout. En plein soleil, tu ne le vois pas. Ouais. Hein, là, ça fait plus violet et là, bleu. Bleu, on l'avait jamais vu. Bah oui, c'est pour ça que j'avais dit bleu, elle est violette. Tu vois. Donc c'est quand tu vas la polir que tu vas la retrouver de la bonne couleur en fait. Bah, on va voir parce que d'une voiture noire, j'en ai fait une voiture marron. Parce que vous m'en avez parlé. Tout à fait. Hein, le 4x4. Donc on verra bien si elle est un peu violette parce que je le pense totalement, moi. Parce que je connais ce genre de peinture. Donc, on va faire ça ici. Donc, tu vois, regarde. Je fais ça. Et là. Attends. Ne me le dis pas parce que je vais dire Harry Potter. Et toi, tu t'appelles Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Si, je sais qu'il n'a rien à voir. Et... Mais c'est Peter Pan. C'est Peter Pan. Putain, merde. Allez, je te laisse faire ça. Mets un pas debout de la polisseuse. Vas-y. D'accord. Tu vas le faire en direct. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Si jamais tu me sors la voiture rouge, c'est la plus belle pub au monde. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais je sais qu'il y aura une différence ou pas. Parce que maintenant, c'est ce que j'essaie de voir. Grâce à ma petite lampe de 8 mm. Plus on est performant, mieux c'est. Là, il a polissé. Regarde, la polisseuse, elle est par terre. Ouh. Non, mais elle est bien. Ça, c'est des gens méchants qui vont te louer. Ouh, bah, ceux qui me la louent, hein, c'est pas compliqué, regardez. À la limite, c'est toi qui vas le faire, hein, regarde. Ouais, tu fais ça. Non. D'accord. Une fois qu'elle est bien préparée, il y aura une notice, les gars, hein, pour la préparation. Je vous donne tout, moi. Dans le sac, il y aura la notice de malade. Oui, pour les 50 euros. Si vous me dites que c'est une bonne idée, hein, je vais vous montrer la notice. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein, je trouve. Hein. Parce qu'à la limite, je m'en fous si on me la vole. Ce sera juste un buzz qu'on fera sur Facebook. Regarde, la notice, elle est là. Voilà. Toute la préparation, elle est là. C'est la préparation à 90 euros. Allez, toi, tu vas filmer ton père. Alors, ne l'allume pas tout de suite. Ouais. Tu l'allumes que quand on est dessus, vas-y. Bah, sinon, tu vas m'éclabousser. Hein. Tout est logique à chaque fois. Voilà. Alors, là où c'est bien, tu m'avais dit tout à l'heure, tu avais peur d'appuyer. Regarde, j'appuie là. Ça fait quelque chose. Regarde, t'auras pas peur maintenant. Regarde, je m'en fous. On n'a pas cramé là. Donc tu fais ça. Voilà. Tu la laisses travailler. D'accord. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'après ça chauffe, mais ça c'est pas grave, c'est la chose du détail. Mais t'as plus un degré que tu vois. Donc, tu la laisses travailler. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent bonjour. Là. Merci, hein, bonjour à tous les gars. Hein. Moi j'ai la location à 50 euros, c'est pas mal. Ouais, bah bonne idée, on a dit là. Très bonne idée. Bah ouais, moi je dis que c'est bien. Celui qui veut pas l'acheter, au moins il a les cartes en main quoi. Au moins la machine travaille. Bah oui, c'est vrai. On verra bien, je vais le faire.
Ça sera utile. Et on va prier qu'il y a quelqu'un qui me la vole pour lui faire choper là-haut. Non, mais je dis ça, mais c'est pour qu'on me la vole pas, justement. Ouais. Parce que je trouve que l'idée, elle est bonne. Demain, si j'en mets 5-6 en route, je la ferai même à 30 euros, j'en ai rien à foutre. Je veux que vous utilisiez bien le produit, moi. Vous voulez déjà louer la polisseuse, là? Tu veux louer la polisseuse? Non, je veux la voiture de mon père. Hein? C'est la voiture à ton père. Je suis venu pour la voiture de mon père, des rayures. Ah oui, c'est toi qui m'as dit, ok. Ouais. Alors, donc c'est bien, t'es content de toi? Alors maintenant, prends la microfibre. Microfibre. Il y en a dessus. Il la pose par terre, mais j'aime bien. Tu peux la poser par terre, tu as le droit. Non, c'est bien, ça me dérange pas. Ça dérange les grandes gueules de Facebook. Ceux qui sont sur les sites de Detailer. Regardez, il a posé. Ils essaient de trouver des petits trucs, tu sais. Faut faire un support. Ouais, non, mais après, j'ai une autre polisseuse qui sort, il y a tout prévu dessus. Elles sortent bientôt, les polisseuses, les gars. Même la petite, hein, elle sera un peu différente de tout ce que vous avez vu. Alors, on enlève juste l'étiquette, parce que, comme ça, je vous préviens, c'est ce qui rirait. Fort. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour un... T'as vu, regardez, il y est arrivé. Mais je vais t'expliquer après. Voilà. C'est bon, c'est très bien. Alors maintenant, alors je t'ai dit qu'elle changerait pas de couleur, mais on est pas mal au niveau des pailletés. Hein. Et puis les griffures aussi. Là. Voilà. Donc j'avais dit qu'il y aurait pas une grande différence, parce que je t'ai dit qu'elle était belle, ta voiture. Plus elle est pailletée, moins on verrait les différences. Ah bah oui, bah on voit bien sûr. Et puis là, ça sera un miroir. Donc voilà l'histoire. Et voilà toutes les rayures qu'elle a. Que vous voyez bien sûr. Voilà. Là, c'est pareil. Alors là, on pouvait le faire aussi. On le voit bien que c'est rayé. Tiens, on le voit vraiment, c'est ici. Regarde. Alors là, ça a été poli. Voilà. Pourquoi? C'est quoi ça? Polissage avec une visseuse. Ah, c'est toi. Ben oui, je me disais. Ben ça, c'est une erreur parce que ben 3D, ben voilà, le ton 3D. Oui, je l'ai toujours dit. Je me suis pris pour Christophe. Non, parce que je le ferai pas. Je le ferai pas, donc j'étais pas pris pour moi. Oui, mais voilà. Mais après, ça fait ça. Si tu l'avais un peu décalé, ton pad, on aurait fait orbital excentrique. Tu avais juste à le décaler un petit peu. Et elle aurait tourné en forron. C'est le forron qui permet que ça ne fait pas de d'arc de cercle. Hein, je vais te montrer l'histoire. Donc, là, tu vois bien, regarde. Là, maintenant, on va allumer. Moi, j'essaie de vous montrer tout ça. Regarde maintenant le miroir que tu as dedans, quoi. Tu vois, regarde dans le portable comment ça donne. Donc tu vois, elle sera vraiment, vraiment belle. Voilà. T'en penses quoi? Magnifique voiture, bien lavée, propre. Ton père, on dirait un miroir, j'ai pu me recoiffer un petit peu dedans. Mais... Ton père, il va dire quoi? Bah, il va kiffer. Hein. Je te l'ai dit, hein, le fait d'être à fond dedans, tu t'aperçois pas du résultat. Maintenant, on le sait. Ouais. Ah, maintenant, on va le faire venir. C'est ça que j'aime bien dans l'histoire. Moi aussi, je m'étais aperçu de ça à l'époque. J'ai dit, putain, j'avais fait ça, moi. Attends, je regarde, j'enlève les sonneries, hein, parce que voilà. Bon, allez, vas-y, viens voir ta voiture. Regarde, moi, je disais que c'est pas normal. On m'a rajouté des paillettes. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Alors maintenant, tu t'aperçois de ce que t'as fait? C'est magnifique. Tu te rends compte de ce qu'on parle de à la base? Kémy, oui, je sais, c'est la fête. Tu vas avoir tes sous, attends. C'est pas cher, 90 euros. Pour lui. Ouais, il croit déjà, ça y est, tu vas faire du vélo, on sait. Et si, lui, c'est la fête, ça y est. Alors, t'aimes bien, hein? Ah, c'est ce que je voulais. Tu te rends compte de ce que t'as fait, ça? Ouais. T'aurais pensé au résultat, là? Non, sincèrement. Franchement, regarde de quoi on parle. Non, c'est clair. T'es tellement dessus, vous avez depuis ce matin, vous êtes dessus, que là, tu vois maintenant le résultat. Ça y est, t'as fait une tâche. Touche pas avec tes doigts. Il y avait des poils. Ah, c'est des poils. Et on repart quoi? Ah, parce que il va pleuvoir. Eh bien voilà, t'as plus envie de la sortir. Hein. Non. Donc voilà un peu le résultat de ce que t'as, tu vois. C'est top. Tu vois que c'est bien, c'est une belle histoire quand même. Hein. C'est un miroir. Ben ouais. Donc tu vois, tout le monde peut utiliser le produit 4K. Le 4K, il est pour les particuliers, pour les pros. Moi, je l'avais fait pour les particuliers à la base. Tous les pros qui veulent l'utiliser, l'utilisent. Moi, je m'attaque pas aux produits particuliers. Je parle des produits que tout le monde connaît, hein, je ne les cite pas. Moi, je parle de... On est dans le professionnel de malade. Tu vois, là, je concours toutes les grandes marques. Je les cite pas. Mais ce que je veux dire, ce sont des produits que les particuliers vont utiliser. Et tu arrives au même niveau que les pros, ouais.
voire plus, parce qu'il y a beaucoup de pros qui utilisent mes produits maintenant. C'est ça qui est pas mal. C'est génial. Voilà. Et donc, c'est vous qui l'avez fait. Donc, ouais. C'est quoi ton métier, toi, à la base? Moi, étudiant. Étudiant, ouais, mais dans le haut de gamme, hein, toi. Ah, là, c'est professionnalisme. On vient de ça, toi. Donc, très, très belle couleur, je te l'avais dit. On a eu de bons conseils. Ouais. Bah oui, moi, je suis là pour. Hein. De toute façon, moi, je vous laisse pas comme ça. Hein. Ah, t'as une belle rigueur, là, quand même. Hein. Non, c'est un poil. Ah, merde, on voit le moindre poil. Kevin. Non, mais c'est bien, t'es content, alors, voilà. Content d'avoir fait tes kilomètres. C'est clair. Franchement, belle journée. Et puis, belle prestation. Franchement, je vous le conseille à tous. Et le Fanta? Et le Fanta, le café. Fanta, sans sucre. Le café. On est bon. Non, le café à 10 euros. Tintin va lui donner. Kébi va nous donner le café à 10 euros. Allez, vas-y, tourne les côtés. Tourne. Ouais. C'est bien. C'est bon. Il ne les a pas donné encore. Tout à l'heure. Non, c'est bien. Donc, tu as fait les pneus. Tu vois, on est bon. Bah voilà, c'était juste le résultat que je voulais montrer parce que beaucoup. De toute façon, on est à 240 000 vues, je crois. Ouais. Bon, ça va, 240 000. Des fois, je fais en une heure 270 000. Putain, c'était dimanche. Je n'ai pas battu mon record. Bon, c'est pas grave. Non, j'aime bien quand on me voit. C'est l'effet. Parce que je trouve que le résultat, il est là. T'as vu que maintenant que c'est poli, on voit plus la différence de teinte. Tu te rappelles? Ouais. Vous voyez que pas de mensonge. Hein. Non, c'était sur le pare-choc. Voilà, c'était ici, regarde. Tu vois, tu vois pas. On est bien. Bah oui, mais moi je vois tout. Bah moi j'ai l'habitude. Non, la force de... Voilà. Force de regarder. Donc là, le problème qu'on a, c'est que tu vas repartir sous la pluie. Bon, maintenant. Hein. En tous les cas, tu sais de quoi on parle. Tu as vu Glassfix, tu as vu un peu tous les produits. Et puis maintenant, bah, on va passer au produit où tu vas prendre, que tu m'as dit que tu en veux. C'est bien. Tu n'étais pas obligé. Voilà le résultat, les gars. Un coup de Karcher, le résultat, il sera toujours là. Voilà. Un mot, un geste, le 4K fait le reste, c'est du sur mesure. Moi, franchement, j'adore. Bon, comme je dis toujours, toi, tu regardes pas mes vidéos aussi? Si, un petit peu. Alors, je dis quoi à la fin des vidéos? Oh. Ah! Bonsoir. Non, au revoir. Non, au revoir. C'est la TF1, je crois. Alors, attends, je regarde juste les questions, super propre, merci Mehdi. Salut Christophe, ça va? Oui. Elle est magnifique, ben, c'est eux. Hein. Moi, j'ai rien fait. Merci. Moi, j'ai rien fait. Beau travail, voilà, donc on est bon. Belle voiture, ta Golf, elle est vraiment prêt à vendre. Tu la vends combien donc? Je la vends pas. Je la garde. Voilà, c'est bien. Allez, comme j'ai toujours, fin de citation, c'était pour montrer le résultat, pas la peine de rester 2 heures sur une vidéo. Là, c'était le résultat qui compte. Vous êtes content? Je suis content. On est content. Fin de citation.